Et salut à tous, c'est RepKiller9. On se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Donc une vidéo au sniper où je vous ai mis en fait d'abord plusieurs petits montages de plusieurs vidéos et ensuite un gameplay entier sur un sniper particulier, donc le P06. Donc c'est vraiment un sniper très original, assez fun, spécial, faut aimer jouer avec, on aime ou on n'aime pas, il est vraiment particulier parce que quand vous tirez, contrairement aux autres snipers, la balle elle part direct, celle-là ça va faire une sorte de charge, un peu comme les pistolets, les fusils à fusion, vous voyez, une sorte de charge mais très très faible, hein. Elle est très lente, ça dure une seconde et votre tir va partir. Donc voilà, donc c'est vraiment particulier comme sniper. Par contre, il fait extrêmement mal. C'est vraiment une tuerie. Oh là là là. J'ai pas encore essayé le dernier sniper de la catégorie, mais j'ai essayé alors, il y a le Dracon, je crois, le Locus et celui-là en troisième. Et franchement, j'ai essayé les trois et celui-là, il est vraiment, vraiment... il est horrible. C'est mon préféré pour l'instant. C'est fun de jouer avec, il est sympa. J'aime bien le viseur un peu particulier, carré comme ça. Faut aimer aussi, c'est ça. Hein. On aime ou on n'aime pas. Et franchement, il fait mal. Vous voyez, vous pouvez tirer dans la tête, dans le torse. J'ai même envie de dire, au niveau des genoux, vous arrivez à tuer un mec. Hein, au niveau des genoux, soit que ce sniper. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, des fois, vous avez des hitmarkers, certes, mais vous en avez vraiment pas beaucoup. Hein. Niveau, si vous faire du quickscope avec ça, c'est possible aussi. Hein. Après, comme je vous ai dit, la balle met, je sais pas, une seconde, peut-être un peu moins à partir. Donc voilà, mais c'est possible, franchement, c'est possible. Il est vraiment, vraiment pas mal. Et la précision est horrible. Regardez, il est vraiment très précis. Franchement, j'adore ce sniper. Plus vous laissez appuyer, donc c'est un fil de pression. Alors, chargé pour tirer une salve de 3 balles mortelles. Donc voilà ce qui est écrit pour ce sniper. Alors après, laissez appuyer, essayez de faire des tests avec. Voilà, moi j'ai remarqué qu'en laissant appuyer, ça fait, j'ai l'impression de faire un peu plus de dégâts quand vous laissez le doigt sur la gâchette. Ça met un peu plus de temps à partir et ça fait plus de dégâts, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être qu'une impression. Voilà, donc vous voyez là, boum, deux mecs d'un coup. Allez hop, le troisième, franchement, regardez, c'est un sniper de taré. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc, je vous ai mis ces petits ensembles de gameplay. Et là, je vous mets un gameplay donc en entier, un match à mort par équipe. Donc, j'ai mis pour ce gameplay le. Alors, j'ai mis quoi? J'ai mis le viseur thermique pour le tester. D'ailleurs, c'était la première partie où je testais. Je me suis dit, tiens, j'ai le viseur thermique, je l'ai débloqué, on va l'essayer. Et finalement, j'ai fait une partie assez correcte avec. Donc, je vous la partage parce que je la trouve sympa. J'ai mis un silencieux, bien sûr, avec ce sniper. Le silencieux change vraiment rien, il fait autant de dégâts. Donc, avec le Locus, le silencieux, j'aime pas trop. Mais avec celui-là, le silencieux, franchement, il passe crème. Il passe vraiment crème. On peut y aller, on peut le mettre. Le chargeur rapide, j'ai essayé, je crois, sur cette partie avec le chargeur rapide parce qu'il est très long à charger. Et des fois, ça me porte défaut sur certains gameplays. Après, c'est pas une obligation. On peut peut-être mettre autre chose à la place. J'ai mis balle blindée pour essayer aussi. Faut voir si ça fait plus de dégâts ou pas. J'ai l'impression que ça fait plus de dégâts. Donc, faut voir. Chargeur grande capacité, non. Faut voir. Je suis pas sûr que ce soit utile. Tir rapide, j'ai pas essayé pour voir ce que ça donne avec ce sniper. Franchement, je pense qu'on peut essayer le tir rapide. Je me demande bien ce que ça donne. Ça peut être franchement sympathique. Imagine un sniper avec un tir rapide. Oh putain de merde. Celui-là, il est franchement, je pense qu'il peut faire mal. La crosse, je sais pas. Faut essayer, écoutez, faut essayer. En tout cas, je sais que j'ai essayé au silencieux. Avec le processeur balistique, j'ai essayé aussi, mais bon, c'est pas une obligation. Hein, le processeur balistique, il est pas mal quand même. Le silencieux, je le mets à tous les coups. Ça, c'est certain. Le thermique, je l'ai mis là pour le fun, pour essayer, pour rigoler. Vous voyez, c'est quand même pas mal si les mecs ont pas le truc anti-thermique. Regardez, quand vous les voyez de loin avec ce nouveau thermique. Dans ce nouveau Call of Duty, le thermique est franchement sympa, hein, j'aime bien le thermique de ce Call of Duty. Et voilà, après à vous de voir, essayer un peu tout ça, tous ces petits accessoires, mais je pense que moi le silencieux est obligatoire pour le sniper si vous voulez jouer un peu. Ouais, ça évite que le mec en face il crie sniper, voilà, vous êtes repéré, ou alors votre tir, tout ça, vous affiche le silencieux avec celui-là, et franchement pas mal, voire obligatoire. Après balle blindée, pourquoi pas, chargeur rapide, pourquoi pas, chargeur de grande capacité, non. Pour moi non. Processeur balistique, c'est sympa. Cross, d'avant je vais dire non, allez. Mais j'ai remarqué que des fois, une sorte de... Le quickscope avec un mec qui se déplace horizontalement sur le côté, on va dire, j'ai du mal à l'avoir parce que le déplacement du viseur est lent. Donc je me demande, avec la crosse en fait, ça peut être sympa. Faut essayer, je pense que ça peut être pas mal. Et tir rapide, alors juste pour le fun.
faire une partie avec le tir rapide. Dès que je le débloque, le tir rapide, je vais essayer juste pour le fun, pour voir ce que ça donne. Ça peut être rigolo, mais... Oh non, 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 tir rapide, c'est inutile. C'est inutile. Allez, tire 3 balles, c'est déjà rapide, ça sert à rien. Allez, on oublie tir rapide. Cross, faut essayer. Cross, faut essayer. Voilà. Donc, je vous ai mis ce petit gameplay, comme vous voyez. Donc, c'est, je sais plus le nom de la carte. C'est une carte dans la neige, bon, bref. Et bon, voilà. Donc, avec le thermique, ça va bien sur cette carte. Parce qu'on voit pas forcément terriblement. Et il est pas mal. Après, je suis mort de temps en temps. Je suis mort bêtement, surtout à la fin. Donc voilà, donc c'était le P06, ce sniper vraiment hors du commun, spécial, original, étrange même, j'ai envie de dire. Hein. Ça fait un peu sniper futurisme avec une charge. C'est spécial. Bon, pourquoi pas, mais c'est un sniper qui envoie du lourd. Il fait super, super mal pour moi. Pour l'instant, c'est mon préféré. Dans les trois premiers, c'est mon préféré de loin. Le premier, je n'aime pas le Dracon. J'ai joué au début, je trouvais ça pas, maintenant j'aime plus. Le Locus, je trouve assez compliqué, mais il est pas mal. Mais celui-là, il est simple d'utilisation. Je le trouve vachement simple. Je sais pas vous, mais moi, je le trouve assez simple. Mais les dégâts, ils sont horribles. Voilà, regardez, là, la crosse, je pense qu'avec la crosse, j'aurais eu peut-être plus facilement sur ce coup-là. Je sais pas, faut essayer. La crosse avec le sniper, je pense qu'avec celui-là je pourrais essayer. Ouais, j'essaierai. Voilà, donc j'espère que ça vous. Cette vidéo. Faites ça, bref, on va réussir. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Donc je vous laisse finir le gameplay, il est bientôt terminé là, mais bon, je pense avoir tout dit, j'ai plus rien à dire. Voilà, je peux parler pour rien. Allez, je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles vidéos sur Black Ops. Voilà, Destiny, on verra plus tard. Et je vous dis à bientôt, donc c'était RepKiller9 sur PSN PS4. Et je vous dis bye bye, allez, salut à tous et tchuss les gens. Drone prêt pour intervention. Cible abattue. Drone de brouillage en attente d'ordre. Drone en approche, brouillage actif. Virage en cours. Les capteurs verrouillent l'objectif. Les enjeux sont trop importants. Concentrez-vous. Énergie du drone à 50%. Énergie du drone de brouillage à 50%. Foudroiement en attente des coordonnées. Modèle spécial 54. Le drone quitte la zone. Batterie du drone faible. Retour à la base. Échec de l'objectif. Exfiltration.